accueilli la visite de Mehdi Kersella de sa propre initiative. Donc c'est la quatrième fois qu'il vient et donc c'est chaque fois un réel plaisir de le recevoir. D'autant plus qu'il vient à chaque fois les mains chargées de cadeaux pour faire plaisir aux enfants qui sont hospitalisés ici, mais aussi aux enfants qui suivent un traitement et qui viennent de façon ponctuelle à la clinique. Donc nous les avons donc conviés aujourd'hui pour qu'ils puissent rencontrer Mehdi ici à la clinique aujourd'hui. J'aime bien le sourire des enfants quand, voilà, quand ils voient les cadeaux, quand ça donne du bonheur aussi dans la vie. On avait pu préparer un petit peu et donc effectivement il a amené des cadeaux spécifiques pour les petites filles. Des ballons de foot là, pour quasiment tout le monde, des cadeaux plus pour les petits garçons, mais aussi des vareuses pour les adolescents, car nous avons évidemment aussi des enfants qui sont un petit peu plus grands. Et voilà, et là, la vareuse, évidemment, on a réjoui plus d'un. Je m'appelle Sabri, j'ai 15 ans. Mehdi Kersella est venu rendre visite aux enfants malades, et ça fait toujours plaisir. L'année passée, au mois de novembre, on a découvert que j'avais un cancer. Donc j'ai été soigné ici à la clinique pendant 4 mois. Et Mehdi était déjà venu rendre visite au mois de décembre. J'étais super content, mais j'espère que ça ne se reproduira plus. Le football, c'est ta passion, je pense? Ouais, c'est ma passion. Ça donne du moral et du courage pour s'en sortir. C'est très important, hein, parce que aussi on a une autorité, on est vu à la télé. Donc voilà, les enfants, ils regardent la télé, ils regardent le foot, ils aiment bien. Quand un joueur vient les voir, ils sont souvent étonnés, ça leur fait vraiment... C'est un bon moment, c'est un grand moment aussi pour eux. Chaque année, quand il est venu, ça se fait vraiment de façon très naturelle. Le contact est facile pour lui et les enfants, évidemment, sont toujours en admiration. Ils sont toujours très contents de voir un joueur de foot tel que lui en plus. Et donc, ça se passe toujours vraiment très, très bien. Et dans une certaine convivialité, voilà, il y a un petit goûter qui est offert aussi, des bonbons, tout ce qu'il faut pour que les enfants soient contents. C'est évident que oui, ça amène un petit peu de baume au cœur et voilà, donc c'est toujours très gai, surtout dans ces périodes de fin d'année.